Il est 8h05 minutes quand les locataires de cet immeuble à trois étages ont été brusquement tirés de leur sommeil par un vacarme assourdissant. Ils ont bien cru que le ciel leur tombait sur la tête, avant de réaliser que c'est leur bâtiment qui s'écroule. Kim ko denk de fekk nako fi parce que ñew na ñukoy expliquer ñaan ko kër gi li baaxatu nak yoon dé ké na ma sama ben mak ñoo to doon té féné atal bi nek ci ma ta doon légui sama xaar bi mo mo daanu man ma def man dama jéké jéké rek ci juk di yu ma défé ni sama mak dé na ma nek ci bi anamu yow bu nañ ko mais dafa gañu gañu ko gañu na fi loxo yi ñoo gañu ak ak ben jaay ko nana fi la doon jaay muy wax ak borom pitik bi legi affaire tombé affaire dans ci kaw tankam bi tank bi jaay na ba yax bi muy xéer. Le bâtiment à trois étages situé au quartier Grand Dakar, non loin du terrain de foot Tiankalar, comme dans un film, se fissure, s'effrite et s'écroule. Deux victimes, une fille qui dormait sur le balcon, a fait une chute libre depuis le premier étage avec son matelas. Et un vendeur ambulant demande qui s'est retrouvé par hasard sous les lieux. Il est gravement blessé. Dégâts matériels, un locataire a vu son taxi s'écraser et se projeter à une dizaine de mètres. Et quelques ustensiles en éclats. Tcherno Diallo, qui est venu rendre visite le matin de bonne heure à sa maman, a vu la scène. Selon lui, ce n'est guère étonnant ce qui vient de se passer. L'immeuble en question avait des fissures bien avant de s'écrouler. C'est la désolation et la déception de ces locataires qui ne savent pas à quel saint se vouer et s'ils ne passeront pas aujourd'hui la nuit à la Belle Étoile. De tels drames devraient pousser les autorités à contrôler encore de plus près le respect des normes de construction et punir les contrevenants et les propriétaires. Avec la saison de pluie qui bat son plein, attendons-nous certainement à d'autres cas.